Salut mes petits loulous. Bon, je voulais faire une vidéo pour vous remercier parce que vous m'envoyez encore plein de cadeaux et je voulais franchement... voilà. Bon, je vais essayer de pas... Bref, je suis pleine d'émotions en fait parce que... voilà, je reçois des choses, des mots d'amour, des choses extraordinaires, des... même sur mes mails, ma boîte mail et vos messages et... Merci. Voilà. Vraiment, merci. Vos histoires, elles sont juste incroyables. Voilà, on va laisser passer un peu les émotions. Alors déjà, je voulais un grand merci à Fistouille, va se reconnaître. Sandrine, Sandrine Nardou. Alors Sandrine, la première fois, elle était à me suivre sur la communauté YouTube. Et elle n'avait pas assez confiance en elle, dans ses créations de bijoux, pour se mettre à son compte, etc. Elle m'avait envoyé des super bijoux, dont ces boucles d'oreilles-là, que j'ai portées d'ailleurs il y a 2-3 jours en vidéo. Voilà, qui sont ses créations. Et je crois, hein, de mémoire, tu me diras Sandrine, si je me trompe pas, j'avais dit, allez, on encourage Sandrine, envoyez-lui des messages, etc., tu vois, sous les commentaires. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, Sandrine... c'est Little Spark sur Facebook. Elle a sa petite carte. Voilà. Little, donc en anglais, L-I-T-T-L-E, Spark, S-P-A-R-K. Tu tapes ça sur Facebook. Qui m'a envoyé avec un joli message derrière. Cadeau du cœur pour une femme magnifique. Tu l'es aussi magnifique. Merci Sandrine. Parce qu'elle fait donc des créations bijoux comme ça. Et moi j'adore, en plus attrape-rêve, voilà. Il y a de toutes les couleurs, il y a de tous les choix, il y a de tout ce que tu veux. Et elle m'avait demandé, quelles sont tes couleurs dans ton salon Aurélie? Et moi je lui ai dit, eh bien bleu et jaune. Elle me dit, ok, je te prépare une surprise. Et voilà ce que j'ai reçu, donc là tout récemment, en rentrant de mon petit week-end, un attrape-rêve aux couleurs que je lui ai demandé. Donc vraiment personnalisé et il est trop trop beau. Voilà. Donc franchement, un immense, immense, un immense merci avec ta lettre accompagnée, Sandrine. Donc merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à l'encourager ou à aller voir tout simplement sa page pour bah, l'encourager ou même lui commander des choses. Elle fait des bijoux, des attrape-rêves et des bracelets zen. Donc je te montre sur sa page YouTube, ici, The Little Spark by Fistouille. Donc il y a plein de choses, voilà, t'as plein de vraiment plein de choses. Et bah, moi j'encourage les gens comme ça, voilà, qui mettent leur cœur. Et faut pas que je regarde trop, sinon je vais lui commander plein de trucs. Mais voilà, donc très belle histoire et merci encore à toi Sandrine. Alors ensuite, je passe à un deuxième colis que j'ai reçu hier. Ma Sandrine, ma petite sœurette, qui me fait des surprises à chaque fois, mais c'est... J'en deviens mal à l'aise, vraiment. Mais bon, bah, si c'est ton kiff, c'est mon kiff aussi. Elle me dégote à chaque fois des oracles incroyables. Et là, voilà ce que j'ai reçu. Je pense que c'est le dernier oracle de Stéphanie Gras, où j'adore en plus ses illustrations. Donc c'est le petit oracle de Steph. Regarde la boîte à l'intérieur, j'adore, je trouve ça, mais c'est des couleurs, j'adore, regarde, c'est super joli. Après, on n'aime pas, après, à chacun ses choix, mais en tout cas, voilà, ça c'est l'arrière des cartes. Un grand merci à toi Sandrine encore, parce que... Et regarde les cartes, alors, j'ai pas eu le temps de trop regarder, mais je crois qu'on peut jouer aux 7 familles avec ce jeu, donc ça peut être aussi pour les enfants. Il me semble... En tout cas, pour les enfants, ça peut être aussi très bien. Et ben moi, j'adore faire partager tout ça avec mes enfants. Donc, c'est vrai que ce qui est intéressant, tu vois, c'est les dessins, les messages. Il y a un message. On a derrière, tu vois, le Mooladhara. Je pense que c'est le chakra racine, celui-là. Tu vois, là, on a le chakra coronal, ici. Le Sahasrara, ici. En fait, voilà, il y a un petit livret avec. Donc, tu as le message, mais tu as un petit livret avec. Et donc bien sûr que je vous ferai des tirages avec ce nouvel oracle aussi. Donc voilà, donc j'ai reçu ça hier. Comme une gamine, tu sais, moi quand je suis à la boîte aux lettres, que je vois un paquet, oh là là, qu'est-ce que c'est, tu sais.
Donc, un grand merci, Sandrine. Donc, je te ferai un tirage, tu sais. Comme d'hab, une petite carte, évidemment. Donc, voilà, un grand merci aussi à ma petite fistouille. Il est trop, trop beau. Franchement, merci. J'adore, j'adore, j'adore. J'en ai partout maintenant à la maison. Hein, parce que on m'en a pas mal offert aussi. Alors, derrière moi, j'ai ce magnifique Bouddha. Qui, quand je l'ai reçu, je ne savais pas du tout qui c'était. Alors ça, c'était en juin, hein, donc c'était pour mon anniversaire. J'ai compris après, donc merci Catherine, mais je voulais le montrer, je voulais le mettre en vidéo, parce que franchement, il est trop magnifique. Et je t'assure que quand il est arrivé, j'en avais mais vraiment, vraiment besoin, ça a été un signe. J'étais dans une période où il y a beaucoup de peur qui remontait en moi, et je commençais à presque perdre pied, perdre confiance en moi. Et je reçois ça en cadeau d'un inconnu, d'une inconnue, puisque je n'avais pas le nom. Donc je me suis dit, bah dis donc, ça, si c'est pour pas te dire Aurélie, regarde, reste zen, tout va bien. Voilà, il n'y avait pas mieux comme message. Donc voilà, Catherine, ça, si je te l'avais dit quand même en message. Donc voilà, je voulais te dire merci parce qu'il est toujours là. Je lui mets plein de petites choses. Là, je les ai enlevées, mais je mets des petites fleurs, je lui mets des petites choses. Voilà. Et il est trop trop beau, il est vraiment magnifique. Donc merci, ça appelle vraiment à la sérénité. Alors ensuite, je voulais vous montrer. Regardez, c'est ma copine l'a fait. Alors elle s'appelle Gaïa. Alors ça, c'est moi qui me suis fait ce cadeau-là. Mais c'était pour vous montrer que c'était ce que proposait Bénédicte. Si vous avez suivi mes vidéos, auxquelles j'ai rencontré Bénédicte, une abonnée, qui elle fait des marchés médiévaux et qui vend des choses en rapport avec les fées, qui travaille avec les fées, etc. Donc un monde féerique, voilà. Et donc je voulais vous montrer sur laquelle j'ai craqué et je lui ai prise, notamment pour bah, vous mettre en décor dans les vidéos ou dans mes ateliers, ou en tout cas apporter une très belle énergie. Et oui, elle est splendide. Oui, tu peux le dire, elle est splendide. Donc je te présente Gaïa. Voilà. Voilà. Donc si il y en a qui s'intéressent, parce que je le dis, bien sûr, vous pouvez toujours contacter Bénédicte ou m'envoyer un mail et me demander son contact. Oui, parce que là, vous ne pourrez pas la contacter. Ou alors vous, en commentaire, vous pouvez demander Béné, moi ça m'intéresse, etc. Je ne sais pas si elle fait des envois. C'est pas elle qui les fabrique aussi, parce que ça, j'avais eu cette question-là. Non, mais en tout cas, voilà, elle vend ce genre de produits. Et puis plein d'autres aussi, des tableaux, des t-shirts, voilà, un tas de choses en lien avec les fées et ce monde-là, et d'autres choses encore. Voilà, notamment de l'encens ou des choses comme ça. Donc je voulais vous la montrer, puisqu'elle est belle, hein. Voilà. Et puis ce matin, donc j'ai la porte qui sonne, où on me dit que j'ai un colis. Alors, je remercie Chantal parce qu'elle m'envoie un gros colis de vêtements pour ma fille. Donc, merci, merci, merci. Voilà, moi je suis pour le recyclage et pour l'échange comme ça. Donc, ça c'est super. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais échanger avec toi, Chantal, mais on trouvera quoi, tu le sais. Donc, voilà, je ne vais pas vous le montrer parce que bah, c'est des fringues et puis que c'est un gros carton. Mais en tout cas, merci, vraiment. Et encore merci aussi à d'autres personnes qui savent également par rapport aux vêtements. Et puis là, j'ai reçu un colis ce matin avec de Nathalie. Alors Nathalie, avec sa petite carte, pour toi, ma belle amie. Magnifique carte de l'UNICEF. Tous ensemble. Alors, je ne vais pas le lire parce que c'est sa vie privée. Mais en tout cas, j'ai adoré le message parce que c'est une belle, très très belle, très très belle histoire, voilà. Qui apparemment j'ai participé un peu à cette histoire pour qu'elle se termine bien. J'en rigole, mais bon voilà. En tout cas, voilà. Merci beaucoup et regarde ce que Nathalie m'a envoyé pour mieux vous servir. Un jeu, les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Alors, j'aime beaucoup aussi les jeux de Denise Lynn qui sont, tu vois, des dessins. Alors, il me semble qu'elle a fait aussi le jeu du voyageur, que j'ai toujours pas d'ailleurs, mais je vais voir. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et, ouais, regarde, réaliser ses rêves avec des messages. Mes rêves deviennent réalité. Et on a un petit livret avec. Donc merci Nathalie. Et c'est pas tout. Parce que
J'ai reçu ce magnifique petit ange. Et j'adore. Il est trop joli, il est trop mignon. Tu sais, tu aurais dû me voir quand j'ouvre le paquet. Tu sais, c'est... Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop joli. Tu sais, en fait, des fois... Mais je suis tellement pressée d'ouvrir le paquet que là, je ne l'ai pas ouvert en live, en vidéo, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment mon effet de surprise. Et je garde le meilleur pour la fin. Je dis le meilleur pour la fin parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait... Waouh. Alors, je la connais pas. C'est une pierre. Mais regarde. Attends, est-ce qu'on peut bien voir les couleurs? Attends, on voit pas très bien. Et encore, en vrai, elle est encore plus. Alors, il faudrait que tu m'envoies le nom, Nathalie, de cette pierre. Parce que. Ou alors, si vous, vous savez, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai eu une idée à un moment donné, mais non. Finalement, je n'ai jamais eu. Au départ, j'ai pensé une labradorite. Après, non, en fait, elle est noire et elle est. Regarde, les rainures, elles sont tellement précises. On dirait que ça a été fait presque exprès, quoi. C'est fou. Ah voilà, là on voit bien, regarde comme elle est belle. Enfin, en tout cas, voilà, super connexion avec cette pierre. Et quand je l'ai mis à l'oreille, ce que j'ai entendu, c'est je serai toujours là pour toi. Donc voilà, j'ai été très touchée par tout ça. J'aurais encore d'autres choses à montrer. Mais les gens le savent parce que je leur ai dit merci en face, donc j'ai pas besoin. Voilà, je pense à Laetitia, je pense à l'au-delà. Je réfléchis, vous êtes tellement nombreux, nombreuses. En tout cas, voilà, je suis très touchée. Voilà, je suis très touchée, je suis comme une gamine quoi, qui a des cadeaux à Noël, tu vois, c'est un peu ça quoi. Et surtout quand je lis vos mots, parce que si vous voyez, j'ai un carton qui au départ était une petite boîte. Maintenant, c'est un carton avec superposé d'un autre carton avec tous vos courriers. Tous vos courriers, toutes vos lettres. Je montre de loin, mais il y a de l'écriture. Et encore, ça, c'est que sur papier parce que je te raconte pas dans les mails, etc. Voilà, vous êtes tellement plein d'amour et je vous en remercie parce que vraiment, c'est vous aussi, vous avez changé ma vie. Voilà. Toute cette aventure a changé ma vie aussi et m'a fait rencontrer des gens extraordinaires, rencontrer des histoires incroyables où j'ai envie de faire une vidéo de chacun de vous pour raconter votre histoire, pour montrer que tout est possible. Je crois qu'il faudrait que je fasse une interview géante, tu sais, et que vraiment vous puissiez vous exprimer tous. Où on fait un film, je sais pas les gars, mais franchement, il y a des choses à faire quoi. Donc voilà, je voulais vous dire un grand, 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 grand merci. Voilà, je vous aime fort. Bisous.